Ce morceau il est important pour moi parce que ça fait un an qu'on perd beaucoup de gens. Et une grosse bise à tous ceux qu'on a perdu. Il y a eu beaucoup de morts à Marseille. Une grosse bise pour toutes les familles, toutes les mamans qui ont perdu un enfant, tous les frères et sœurs qui ont perdu quelqu'un de proche. C'est super important pour moi. C'est un morceau, c'est mon morceau chouchou de l'album. De vous voir, de vous entendre le chanter comme ça avec moi, ça me fait chaud au cœur. Avant de continuer le show, pour qu'on se rappelle bien de ce moment dédié aux personnes qu'on a perdues, on va chanter le refrain encore une fois, ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ou quoi, Marseille? Et ça fait... Désolé, ma femme, mais j'ai dû le tuer. Au volant de son destin, il s'est mis à prier. Parce qu'on grandit, on grandit, on fait des enfants. Il y a des gens, ils m'ont écouté, à mon avis. J'avais à peine 17 ans. J'avais à peine 17 ans et des fois, je regarde pas trop parce que je pense que ça sert à rien. Mais de temps en temps, je vais dans les réseaux sociaux et je vais un peu regarder ce que pense la jeunesse de France. Il y a des fois, on me dit Kassim, ou plutôt Alonso, chante comme dans Bloc Party. Et je leur dis, vous vous rendez compte? Bloc Party, j'avais 18 ans. 18 ans, on était encore à l'époque du franc, c'était encore Chirac qui était président. Comment vous voulez que je chante comme Bloc Party? C'est pas possible. Il faut suivre l'évolution des artistes. Je respecte énormément mon public, mais depuis qu'Internet est arrivé, le public veut contrôler l'artiste. Et moi, je suis un artiste avant tout, et c'est pas possible. Je vous aime énormément, Marseille. Et... quand j'étais petit, moi, il y avait Aya, il y avait des, plusieurs groupes. J'étais chez moi, chez ma mère, au deuxième étage, au plan d'art, au Capor. J'étais en train d'écouter dans mes cassettes les morceaux des aînés. Ils essayaient de m'apprendre c'est quoi le hip-hop français, c'est quoi le hip-hop qui est venu de loin, des States, tout ça, qui est venu jusqu'en France aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je rappe depuis l'âge de 12 ans. Mon premier album, il est sorti, j'avais à peine 18 ans. Marseille, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le morceau qui est arrivé, je l'ai fait parce qu'il faut prendre vraiment conscience de ce qui se passe dans notre vie. Parce qu'on est en train de faire des enfants, on est en train d'éduquer des petits qui n'ont rien à voir avec toutes nos conneries. Donc je vais dédicacer le morceau qui arrive à tous les pères qui aiment leurs enfants. Grosse dédicace à toutes les filles. J'appelle tous les yeux en ligne. Elle pleure à la première seconde devant ce miracle de Dieu. Je rigole alors que les hommes s'effondrent, inconscient de ce qui m'est arrivé. Je coupe ce qui la rattache à sa mère. Je n'ai que 17 ans, tu sais. 3 ans plus tôt, j'étais encore collégien. Un enfant a mis au monde un enfant, c'est ce que me disaient les miens. Tant pis, je me sens d'écran, je l'ai dans mes bras. Et elle répondra au prénom de moi. Et quand tant tes larmes se reflètent de ma tournée. Y'a quelque chose qui flotte, j'ai la bouche pleine de glaire. Elle m'a donné un vent, elle m'a donné un nom.
l'inquisition est là, elle a fait de moi énorme. Qui est venu me ramener une prisonnier, un chasseur des démons qui me criait à comment. Son visage me ressemble étrangement. Je me rappelle en elle, je pense à mon enfance. L'amour qu'elle me transmet est différent. Elle s'endormit sur mon torse, percée par mes battements. C'est ma fille, ses premiers pas, je les ai applaudis. Ses sourires m'ont rendu patient auprès d'un mourir. Elle vivra le meilleur, elle vivra le pire. Est-ce qu'elle entendra son papa lui dire? Et quand tes larmes se refont de ma couleur. J'appréhende ce jour où tu vas me le présenter. Tu sais que je suis maladroit, je parle mal des fois. Tu t'en prends à aider le matin quand tu te crois. C'est juste la peur qui prend le dessus sur toi. Si tu joues, j'échoue avec toi, t'es une partie de moi. Ne laisse personne couper nos liens naturels. Les espoirs de grand ne vous concernent pas. Tu le as tes frères. Je vous aime au même degré que ma mère. Je ne repasserai jamais la porte, je suis qu'un père. Tu es ma fille, ma fierté. Regarde-moi, mes yeux veulent te parler. Si je meurs, il ne faut pas pleurer. Tu vivras le pire, mais tu donneras le meilleur à mes petits enfants. Est-ce que tu attendras ma voix de dire doucement? Et quand dans tes larmes se reflète ma couleur. Hey, Kenza, j'appréhende des blessures comme des échecs scolaires. Kenza, et quand tu vas plus loin de ce que mon âme tolère. Je reste un homme, et toi tu restes ma fille. Hey, et quand dans tes larmes se reflète ma couleur. Et quand tu iras plus loin de ce que mon âme tolère, je reste un homme. Parce que je suis quelqu'un, comme j'ai dit, je suis comme Renault. Ma notoriété ne m'empêche pas d'être relax. Ça veut dire que je promène au Corsaire, je promène à Saint-Antoine. Les gens ils peuvent venir me voir au plan d'art. C'est normal pour moi, il n'y a pas de souci. On sait d'où on vient, on sait qui on est et on sait où on va terminer. C'est le plus important. Vous et moi, on est pareil. Et j'adore traîner dans ma ville. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Marseille ici? Parce que moi j'aime énormément Marseille. Et j'aime trop traîner dehors à Marseille. Moi je dis pas la réponse.